bes bi dañ ko choisir ñu ngi nek à 2 jours du tam kharit moy suñu fin d'année yalla daf ma dem ben dej dajé fa kurfia yag nañu gissé minama war nañu def ben initiative ñaanal nos ancêtres suñu jogé aux ancêtres ñu ñëw ñaan pour la paix parce que la paix on en a tellement besoin so xolé depuis 81 amul ken ku mëna def bilan sur le nombre de morts ici en Casamance bato bi ñëw le bateau le djola ñëw s'ajouter fofu mo waral ñu né légui nañu ñaan parce que li fi dess suñu repère yépp mu ngi rër nañu fexé ñaan ñi fi dess yalla bay leen fi ci kanam la paix bi ñuy wax la paix c'est un comportement la paix suñ ko bëggé du porter des t-shirts ngay def ay marche lolu du indi paix c'est Dieu qui peut nous ramener la paix est un nom de Dieu en c'est en partageant qu'on cultive la paix dans nos cœurs suñu mo waral ñu dajé fi def ya salam pour ñaan yalla paix kep ko xamné yor nga intention ak ambition pour def du mal dans ton cœur ñu ngi ñaan yalla dévier mal bobu soppi ko en jamma parce que jamma bobu on en a tellement besoin depuis 81 ñu ngi fi suñu repère yépp rër nañ tous nos parents sont morts mo waral ñu dajé fi pour jëma ñaanal no mort suñu joggé ci no mort ñu ñaan yalla jamma parce que ça suffit maintenant kep ko xam nga yor nga intention pour xex ñu ngi ñaan yalla mu génné intention bobu soppi ko jamma lool moy intention bi tax ñu ñëw fi parce que yalla ci bopom mo né mom xoli mom moko mom mom mo commandé xoli né né il n'est donné à aucune âme de croire sans sa permission deuxième bi moy ben phrase bu nekk ci coran bi la force brutale ne fait qu'enterrer provisoirement le mal qu'elle veut combattre. Le mal est une semence. Une fois enterré, germe en douceur, se développe et devient plus vigoureuse encore. Dieu nous dit de prendre les armes du bien pour lutter contre le mal. Le mal n'efface pas le mal. Prenez l'eau pour éteindre le feu. Le feu n'éteint pas le feu. Légui nit kep ko xamné yor nga ambition dans ton cœur de faire du mal. Dajé biñ fi dajé, ñu ngi ñaan Yalla soppi mal bobu en bien. Li dess fi ci suñu wajuri fi dess ñu ñaanal len yalla bay len fi suñu kanam kep ko xam nga yor nga intention année scolaire bi ñew ni pour jëm perturber en école yi ñu ngi ñaan yalla dévier lo la xelat parce que enseignement bi point d'interrogation la fi dans notre pays l'enseignement la santé yi nga dégg fi affaire accident yi jakarta yi li yépp ay affaire la yo xamné c'est des grands défis pour l'état jakarta yi war nañ ci xolaat bu baax dam na ben salle jakarta hôpital régional xawma na yeg ngeen lolou sal jakarta lolou yeb danger la yo xamne mu ngi daw ci suñu dekk bi fi te li on a assez on en a assez des morts ça suffit lolou waral ñu dajé fi pour ñaan kep ko xamne am nga ambition dans ton cœur de faire du mal ñu ngi la jall mal bobu yalla dévier ko am bien pour notre intérêt grève yi yalla mussel ñu ci grève yi année bi dogu ubbi ni lolou moy dajé bi ñu dajé fi pour ñaan yalla jamma dans notre pays kep ko xamne yor nga ambition ambition def lu bax ñu ñaanal la yalla mussel la ci lu bon lolu def nga ñu jappalé la ci lu bax li nga bëgg def ñaanal la ci mu réussir parce que fu mu nekk ni il est temps qu'on change il faut ñu changer changement bobu moy li fi jotta dé ça suffit bato lu jola dafa ñew mu dogaliñu suñu parents yépp sont décédés soko xolé amul ben famille bo xamné né épargné toutes les familles sont concernées lolo waral ñu dajé fi ki suma promotionnaire d'enfance la buñu dajé mi néma nañu ñaanal nos ancêtres mo nako idée bobu su taxawé rek jeexna buñu tuddé paix c'est le seul mot wa qui a guidé tout ce qui wa qui s'est passé ici lepp buñu commencé wax la paix ci la nit yi commencé ma jox xaaliss dafa melni nit yi ño yakamti paix on en a tellement besoin nit yi yépp dañu yakamti la paix là surtout ici en Casamance on en a besoin tous nos parents sont morts lolo waral ñu dajé fi ñu jëma ñaan li dess fi ci suñu mbokk yi ñu samaleen mag yi fi dess yalla garder leen ba ci kanam parce que suñu repère yi ñu ngi rër ndank ndank do lo waral ñu dajé fi jëma ñaanal recteur année scolaire bi ñëw ni yalla mussel ko ci grève yi ak tentative yi nit yi di jëma def yépp pour jëma perturber l'enseignement te lolu du suñu intérêt c'est l'intérêt de nos enfants l'intérêt des enfants c'est l'avenir d'un pays mais nak dis-moi quelle jeunesse tu as je te dirai quel peuple tu seras lolu yak ngeen deug slogan yoyu leena jeunesse bi mom lañu bëgg ñaan yalla yalla gënné seen xelaat de faire du mal
Aujourd'hui, c'était ça pour la paix. Parce que seul notre créateur qui peut nous ramener la paix ici. Parce que la paix, on en avait ici. Mais la paix a disparu. Nos cœurs, maintenant ce sont les rancunes qui sont remplies dans nos cœurs. Et les rancunes, c'est ça qui nous ont amenés ici pour faire des prières. Afin que Dieu puisse sortir de nos cœurs ces rancunes. Parce que ce sont ces rancunes qui nous poussent à la violence. Actuellement, raison pour laquelle on s'est réunis ici pour faire des prières pour nos ancêtres. Et après, faire la paix. Parce que la paix, on en a tellement besoin. On a tellement perdu de morts ici que personne ne peut faire le bilan à part notre créateur Dieu seul. C'est lui seul qui sait combien de victimes la Casamance a eu depuis 81 à nos jours. Raison pour laquelle on est là avec l'entrée des classes. Aussi les grèves qui vont se succéder. Les grèves qui vont se succéder jusqu'à la fin d'année. Raison pour laquelle je suis là, pour faire des prières. Si c'est un collecte d'enfance, c'est le recteur de l'université. Et ce sont ces moments de crise que nous en profitons avec ce mois béni de Muharram pour faire nos prières. Même la date a été choisie. Cette date-là a été choisie. Maintenant, ce que nous demandons, que la paix règne ici. Tous ceux qui ont l'intention de faire du mal, que le bon Dieu change leur idée de faire du mal en remplaçant ça par la paix. Vous savez, quand vous grandissez dans un endroit, vous venez à un certain moment, vous vous retournez, vous ne voyez plus les anciens. Dans ce quartier, nous avons presque la quasi-totalité des vieux qui ne sont plus là. Ils ont fait ce qu'ils devaient faire en leur temps. Il est de notre devoir de rappeler aux jeunes qui sont là qu'il y a des repères dans cette société. Il est de notre devoir de dire aux jeunes générations que ceux qui étaient là ont rempli leur mission. Il nous appartient à nous de jouer notre partition. Notre partition, c'est être pour la cause de notre ville, de notre région, de notre pays. On ne pourrait comprendre que dans ce pays, au moment où le président de la République, Macky Sall, dans sa vision, parle d'émergence, que le Sénégal, qu'on parle d'émergence du Sénégal sans la Casamance. Qu'on parle d'émergence du Sénégal, de ce pays, sans Jigen Chaw. Et il ne faut pas attendre au moment du résultat pour faire le bilan. C'est à ce moment que nous devons sensibiliser, voir quelles sont nos ambitions, quel est notre rôle dans ce travail. Parce qu'en réalité, il l'a dit, l'imam l'a dit, nous remercions vivement, nous remercions de tout cœur l'imam Ahmad Baoudin Sow. Nous remercions toutes les dames de ce quartier qui se sont mobilisées pour faire de cette journée de prière une réalité. Parce que simplement, nous avons émis l'idée. Mais ce sont ces dames, ces braves dames de ce quartier qui ont fait le tour, qui se sont mobilisées pour dire il faudrait que cela puisse être. Il faudrait que nos jeunes garçons, nos adultes qui sont dans le quartier, qui sont dans la ville, puissent comprendre qu'aujourd'hui, nous avons besoin de travailler. Nous avons besoin d'un certain comportement. Nous avons besoin d'avoir des repères. Et cela ne se passera que dans un espace de paix. C'est ce que l'imam a dit. Et alors nous avons dit, je vous l'ai dit, je le reprends, que cette idée est venue du fait que nous avons grandi dans ce milieu. Nous sommes de ce milieu. Nous nous sommes retournés aujourd'hui, nous ne voyons plus les références qui étaient là. Et ces références, nous devons prier pour ces références. Et prier pour ces références, c'est hériter de leur comportement. C'est dire ce que c'est. Personne faisait ici, dans ces quartiers, dans cette ville, les comportements qui étaient là. Il n'est pas dit qu'aujourd'hui, il y a plus de difficultés qu'avant. Mais c'est les façons de les traiter qui posent, qui donnent les différences. La différence est là. Et cela, dans une société où il n'y a pas de repères, dans une société où il n'y a pas de référence, dans une société où l'organisation sociale pose problème, nous retrouvons dans une anarchie. Ce n'est pas ce qu'on souhaite. Parce qu'au moment où l'on dira, je reviens là-dessus, au moment où l'on parlera, l'on fera le bilan pour dire ceux qui ont émergé, il ne faudrait pas que nous soyons derrière et que nous accusons d'autres.
nous serons les responsables de nos propres résultats. Et cela, pour que cela puisse être, il faudrait que dès maintenant, que nous sensibilisons les populations, que nous sensibilisons tous les acteurs de la société, que nous aurons que ce que nous mériterons, que nous ne récolterons que ce que nous avons cultivé. Que si les jeunes d'aujourd'hui reprennent les références, nous leur donnons des exemples de ceux qui étaient là, de ceux qui sont partis, de leur combat, nous ne pensons pas être les derniers de la classe. Et pour ne pas être les derniers de la classe, il faut dire que Jigenchor doit participer pleinement à cette émergence, sinon être leader dans cette émergence. Et pour que cela soit, il faut commencer par la jeunesse. L'imam l'a dit et il l'a répété, c'est les jeunes, c'est aux jeunes de pouvoir faire ce que nous deviendrons demain. Et maintenant, il faut les mettre sur la piste. Il s'agit de cela. Aujourd'hui, ce que nous venons de faire, ce n'est pas une date fortuite. Nous savons tous que nous nous dirigeons vers ce qu'on dit la Tamharit. Et cela a été médité. Cela a été une grosse réussite. Nous remercions l'imam Ratib de Jigenchor qui personnellement s'est déplacé et a tenu à présider cette cérémonie de lecture de Coran. Cela n'arrive pas tous les jours. Nous le félicitons, nous le remercions, mais nous remercions le bon Dieu, nous remercions le président de la République, nous remercions toutes les autorités administratives de cette ville qui nous ont autorisé, qui nous ont permis d'aller dans le sens de la paix des cœurs et mettre les jeunes sur des pistes de travail, sur des pistes de vérité, sur des pistes qui leur permettent demain de se réaliser eux-mêmes et de réaliser leur ville et leur nation.